Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Alors, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de cette plante qui guérit plus de 900 maladies. Si vous la trouvez, alors vous avez de l'or. Et si vous... Un peu de ta vie et tu trouvais une chérie. Ça tombe bien que tu m'en parles, car j'entends une petite histoire. Sachez que si vous avez cette plante chez vous et que vous ne l'utilisez pas, mes amours, sachez que c'est injuste envers la nature parce que la nature a tout prévu. Je vous explique pourquoi. Car ces protéines sont deux fois plus que les protéines contenues dans les viandes et bien d'autres, les yaourts et tout ça. Cette plante contient de la vitamine A, tout comme les carottes. Cependant, la même quantité de moringa et de carottes, vous avez 4 fois plus de vitamine A dans du moringa que dans du carotte. La quantité de vitamine C contenue dans le moringa est 7 fois supérieure à celle contenue dans les oranges. Sachez que le moringa est riche en plusieurs autres vitamines. Le calcium contenu dans le moringa, par exemple, équivaut à la quantité de calcium contenu dans 4 verres de lait ou bien d'autres. Le potassium contenu dans cette plante est équivalent à la quantité de potassium que contiennent 3 bananes. Il contient 4 fois plus de fibres que l'avoine, essentielle pour ceux qui souffrent des problèmes de constipation. Vous savez l'importance des fibres pour votre digestion. Et ce n'est pas tout. Il contient 96 puissants antioxydants. Les antioxydants contenus dans le moringa le rendent très célèbre auprès de la gent masculine. Oui, vous savez tout ce que ça vous donne. Il est 25 fois plus riche en fer que celui contenu dans les épinards, mes chéris. N'en parlons pas du zinc, des minéraux, des acides aminés et plusieurs autres nutriments qu'il en contient. Compte tenu de sa grande richesse nutritionnelle, le moringa nourrit et protège le système humain, de la tête jusqu'aux pieds. La meilleure façon de le consommer, mes chéris, c'est de le consommer frais. C'est-à-dire, vous prenez des feuilles de moringa, vous nettoyez très bien, vous mettez dans un mixeur, vous le mixez. Vous prenez 1 à 2 verres de ceci par jour, mes chéris. Il soigne beaucoup de maladies, car dans le livre de l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, il est indiqué que le moringa permet de soigner plus de 300 maladies. Parmi ces maladies pouvant être traitées par le moringa figurent l'hypo- et l'hypertension artérielle, le diabète, le rhumatisme, l'infertilité masculine et féminine, l'anémie, les problèmes de vision, les kystes, les fibromes, les myomes que les femmes en souffrent de nos jours, l'hépatite A, B et C, les maladies du cœur, les MST, les crampes, les constipations, le stress, le rhumatisme, les problèmes de gouttes, les plaies internes et externes, les problèmes de foie, de reins, maux de tête, mal de gorge, bien d'autres encore mes chéris. Omis du livre de l'Ayurveda, les tests en laboratoire le confirment également. Écoutez. Sont connus. Les feuilles ont la partie les plus riches en vitamines, notamment vitamine B, vitamine C, vitamine A et vitamine E, qui sont de très bons antioxydants, en acides gras comme l'oméga 3, les acides aminés, les minéraux comme le potassium, le magnésium, le fer et aussi le sélénium. 100 g de feuilles nous donnent 2 fois plus de protéines et de calcium qu'une tasse de lait, 2 fois plus de vitamine C qu'une orange et autant de potassium qu'une banane par exemple. Votre soutien est très important pour l'avancement de cette œuvre. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Partagez cette information au maximum sur les réseaux sociaux afin que ça puisse aider bien d'autres. Et pour ceux qui aiment prendre soin de leur santé avec les meilleurs remèdes naturels faits maison, abonnez-vous à cette chaîne YouTube au cœur du bien-être et activez votre clocher de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, mes chéris. On se prend demain dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous, bisous. Bye bye.